Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. c'est votre frère Massanta, Benito, Benito de Massanta. Euh, je suis de retour euh, chez moi, euh, je suis rentré ce matin, par la grâce de Dieu. Je suis bien rentré chez moi et je remercie le Tout-Puissant Allah. Euh, et, euh, franchement, ça n'a pas été facile, euh, voilà, fatigué, fatigué. Mais il y a tellement à dire, euh, tellement de sujets. Que je suis extrêmement en retard. Extrêmement en retard. Très, très en retard. Mais nous allons, en dix minutes, parler de Mourana Souma et Baouri, ce qui se trame, Voilà. Parce qu'aujourd'hui, euh, Dumbuya les a demandé un service, c'est-à-dire devant la communauté internationale, devant le, le peuple de Guinée. Il faut rejeter la responsabilité du, du fiasco de 2 milliards sur quelqu'un. Donc, euh, nous l'avons écouté au niveau du CNT. Heureusement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on appelle CNT Qu'est-ce qu'on appelle CNT Voilà, c'est la résonance voilà, du Parlement médecin. Ce n'est pas autre chose, ce ne sont pas des députés autres. Bonsoir partagé, abracé, fama, diaya partagé, c'est Benito de Massanta. Voilà, euh, des retours euh, d'un de, petit congé dans la... Et merci, merci à ma petite famille du côté de Saint-Jean sur Richelot. Ça, c'est du côté du Canada. Et merci. Partagez, mettez le cœur, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Et continuez à vous abonner aussi sur ma page YouTube, Benito officiel. Parce que, quelque part, vous avez un peu oublié ben, le site. Voilà. YouTube. Victor Lewasu, du CEO. Voilà. Donc, partagez. Partagez, mettez assez de cœur. Je voudrais d'abord euh, dire bonsoir et salut, comment vas-tu, mon ami, mon, mon ami d'enfance, mon champion, comment vas-tu? Je voudrais rappeler euh, aux chers Burkinabé, à mes chers frères Burkinabé, qu'il est un devoir de vous présenter toutes mes condoléances. Voilà, c'est un devoir moral, un devoir devant ma conscience. Euh, mais en plus euh, de ce devoir-là, je demanderai au peuple brutal d'ouvrir les yeux. Je sais que d'aucuns me diront, occupe-toi de tes affaires. Nota ta fato, voilà, je pense que vous m'avez compris, je n'ai pas eu le temps, parce que Saint-Jean sur Rochelle est... Et, et Montréal, c'est 47 minutes. Mais comme c'était aller-retour, je suis allé, j'ai fait juste euh, 3 heures, 4 heures. Je pouvais aller sur Montréal, mais je devais revenir parce que j'avais reçu des emails de l'école, que je devais me présenter à l'école. Voilà. Donc, mais ce que Next time, c'est un mois. Pardon. D'ailleurs, je me suis tellement fatigué. Je suis, je cherchais les frontières. J'ai je, je, expliqué ça hier. J'étais trop, c'est ma première fois. Donc, euh, la, la colle, on dit à trois la colle, j'arrive aussi à la, à la deuxième la colle, on dit non, allez-y de l'autre côté. Et l'autre côté, vraiment, ça m'a pris assez de temps. Et on m'attendait à la, la bonne la colle. Donc, oh, ma famille était là-bas, elle devait me réceptionner pour qu'on continue, parce que je ne connais pas. Je m'excuse beaucoup, Tata femme je même t'appeler. Voilà, voilà, je vais t'appeler. Voilà. Donc, on est ensemble, je sais que tu ne vas pas te fâcher, voilà. T as, t as, t as pas fâché. Je salue aussi ta, ta, ta cousine, voilà. celle qui a le nom, qui a <laughs> j'ai voulu même le, la confondre à un monsieur la dernière fois. Donc, euh, Donc chers frères et sœurs, je disais, euh, cher, euh, cher cher chère Burkinabé, d'aucun euh, de m'occuper de, de ma Guinée, c'est vrai. Mais ce qui se passe au Burkina, là, ne se passe pas chez moi, en Guinée. Vous comprenez Il y a eu un coup d'État au Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme. Il y a des chers messieurs qui ont dit qu'ils vont ramener la paix au Burkina. Mais c'est inacceptable qu'on tue plus de 200 personnes. Et vous savez, je, je remercie le monseigneur l'archevêque de Ouagadougou. Franchement, il a parfaitement raison. On ne peut pas tuer des personnes qui étaient en train de créer des tranchées pour l'armée. Les gens-là sont censés être protégés. Ceux qui sont en train de créer des tranchées pour l'armée, ils sont censés être protégés par. C'est vous qui avez euh, euh, env envoyé Wagner. Vous avez Wagner, vous avez l'armée, vous avez tout. C'est ce que mon frère Hamidou dit comme ça, Marem Baldé. Une transition ne peut pas régler le problème des pays. La guerre là, ça se règle en négociation. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Clairement. Au présent russe, monsieur qui a fait le direct en, en prenant la Guinée comme dans, dans vos exemples, je voudrais te dire mon frère, j'ai essayé de, de prendre l'intervention du chef du gouvernement, le premier ministre indien. Vous savez, il était en voyage en Ukraine. Il était en voyage en Ukraine. Les gens l'ont reproché d'aller voir Poutine. Et c'est lorsqu'il s'est exprimé... Parce que c'est un pays qui a la bombe atomique, hein, l'Inde. Donc, c'est Annie que l'a répété sa rencontre avec Poutine. Il dit que j'ai rencontré Poutine les yeux dans les yeux. Et j'ai dit à Poutine que la guerre se règle en négociation. Ce qui se passe entre vous et les Ukrainiens doit se régler en négociation. Il faut qu'il y ait de pourparlers il faut qu'il y ait de négociations. Et là, et le chef du gouvernement indien a rajouté, il l'a dit, c'était l'autre, la conférence de presse, c'est en, en, à Kiev. Il dit, j'ai été très clair. J'ai dit au président Poutine que vous devez accepter de négocier parce que l'issue de la guerre là, c'est la négociation. C'est pas ce qui est en train de se passer comme ça. Cousine chérie, comment vas-tu, mon On va tu Est-ce que vous comprenez? Donc, ça me touche aujourd'hui que des citoyens burkinabés voulaient aider l'armée en créant des tranchées. Et on vient, on les abat tous. Plus de 200 morts dans une attaque de 10 minutes. Qui peut accepter ça Mon cher, ce qui se passe au Burkina ne se passe pas chez moi. Ce n'est pas la même chose. 200 morts, plus, hein, excusez-moi. C'est plus de 200 corps. Ce n'est pas... Vos deux, le, euh, le, euh, comment on appelle ça Deux nationaux que vous avez dit. Il ne s'agit pas de déclarer des deux nationaux tout le temps. Avant, avant l'attaque-là, c'était la semaine passée, 56 personnes abattues par les terroristes. On parle de combien de déplacés internes Alors, quand vous voyez M. IB, le capitaine IB, marcher comme ça avec ses armes. Il a l'épaule comme ça là. On, on envoie des sévarés, sévarés, sévarés. Mais attendez, ça sert à quoi Moi, j'ai suivi le, dé, le débat ce matin en, en rentrant jus, le, de, de Nouak jusqu'à Jersey. Ça fait une heure de temps. Hein? De Nouak à une heure de temps, j'ai suivi le débat parce que les gens se disent aujourd'hui, Franchement, si la population n'était pas en train d'aider l'armée à creuser à des tranchées, mais il n'y aurait pas avoir de ces mots. Mais qui a demandé à la population d'aider l'armée à creuser des tranchées C'était des volontaires parce que c'était pour. Mais attendez, attendez. Quand vous mettez la population à, au, au boulot, créer, à votre place, creuser des tranchées, vous devez avoir un rideau militaire. Vous avez Wagner, c'est vous qui avez tout. Hein? Vous avez Wagner, vous avez les Russes, vous avez les radars, vous avez les drones, vous avez tout. Mais comment les gens là ont pu exécuter plus de 200 personnes C'est regrettable. C'est regrettable. Donc le mettez les questions en tête de mort, excusez -vous. Excusez-moi de, de regarder quelque chose. Donc je continue. Donc, nous allons revenir sur notre sujet. Nous avons écouté M. Mourana Souma au CNT. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Monsieur Mourana, c'est ce que j'aime, quoi. Parce que ce que vous êtes en train de faire est extraordinaire. Parce que c'est aujourd'hui, vous dites aux gens que c'était intentionnel, vous, vous cherchez à, récupérer, à avoir de l'argent pour le pays. Oui, je comprends ça. Mais vous avez vu dans la salle, il y, a, y, a, y, a, y, a, y avait des éléments du CNT qui voulaient vous demander des questions plus approfondies par rapport à l'ordinateur. Parce que si vous vous engagez à négocier avec des multinationaux, c'est que vous engagez l'État. Maintenant, vous vous engagez l'État. C'est-à-dire, vous engagez l'État. Et puis, vous dites, vous dites que vous essayez d'avoir de l'argent. Monsieur Mouran Assouman, nous parlons de 2 milliards. Qui seront remboursés par qui par le pauvre peuple guinéen qui est déjà appauvri dans les conditions normales, dans un état normal. Vous devez être renvoyé et puis arrêté. Mais je suis très heureux pour la précision que vous avez apportée devant le CNT. Wallah, M. Souma, dans un état normal, dans une démocratie. Si c'était le pays du président Ouattara. 622, ah, euh, la sœur. envoie moi ça à Nimbox, la sœur Aminata Kondé. envoie moi ça à Nimbox, pardon. Est-ce, que vous comprenez? Si c'était dans le pays d'Alassane Ouattara, ou bien le, le pays avant de Maki ou bien le pays avant de Ambalo et autres, je vous le jure, ce si chef d'État-là aurait agi autrement. Vous serez aujourd'hui en prison. Vous serez aujourd'hui en prison parce que vous dites que c'est Baouri qui vous a, parce que Baouri ne va pas dire le contraire. Ça sent très bien qui t'a envoyé au ministère des Finances. Parce que Baouri et toi, vous avez été coachés par quelqu'un. Vous avez été tous parrainés pour être Premier ministre et ministre des Finances. Mais nous parlons de 2 milliards et puis nous parlons de notre pays et puis nous parlons des mines de ce pays. Mais comme le dit souvent certaines personnes, les ressources minérales de ce pays appartiennent à qui Appartiennent à la famille de Dumbuya, pas au CND, à la famille de Dumbuya. Les mines guinéennes appartiennent à sa famille. Sinon, aujourd'hui, comment comprendre hein? Comment comprendre Qu'on peut aujourd'hui prendre 999 millions de dollars argent additif pour inscrire une autre compagnie dans, ce, dans cette transition minière. J'appelle ça la transition minière. Parce que la société qui a... On a demandé à la société de donner 99 millions de dollars pour être dans le dans le marché de, 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 de Simando. L'argent-là n'est jamais passé par la Banque Centrale. Je vais même faire une pause, présenter mes condoléances à, à, la, à, à mon ami, à mon frère. Euh, au champion de Konateke. Vous savez, Konateke, qui vit au Gabon, notre grand communicant, a perdu sa maman, sa mère biologique. C'est triste pour lui. Euh, avant même mon voyage, il m'a appelé, on causait, il y a une personne qui voulait avoir son numéro. C'est touchant. Je vais même après le direct l'appeler pour prendre mes condoléances. Vous connaissez Konateke, dévoué pour la cause de la Guinée, a perdu sa propre mère. Au nom de tous mes abonnés. Et à ma personne, nous présentons toutes nos condoléances à la famille Konaté, à la grande famille de notre frère, Mamadi Konaté, depuis Libreville, le Gabon. Enfin, Nick, Likoff et téléphone, Inch'Allah. Merci pour toutes les présentations de condoléances. Donc, nous continuons. Monsieur Mourana, c'est vrai, c'est normal, parce que je peux rapidement, tout de suite là, lire ce que vous avez dit détaillé même par un spécialiste qui m'a envoyé qui m'a envoyé sa compréhension par rapport au document même merci sa compréhension cest un spécialiste des mines qui dit Benito voilà ma compréhension par rapport il dit voici ma compréhension par rapport à ce duel du siècle mais comme tu m'avais dit que vous avez un document vous avez documenté pour un jour que les personnes répondent devant la joie. Parce que ça, c'est vrai. Nous avons Vous savez, je félicite cette équipe qui est en train de documenter toutes ces bêtises du CNRD et de Mamadi Doumbouya en personne. Parce que comment comprendre une vendeuse de poissons Un exemple... Mais je donne un exemple. Parce que quand je vois les houdis du premier haut là... Quand j'ai vu l'autre là dit que non, il faut aussi porter Doubouya. Je vous donne un exemple, un exemple frappant. Sa petite sœur, qui était vendeuse de poissons à Kankan, aujourd'hui a un quota dans l'exploitation orifère hein, de Sigri. Cette petite fille-là, produit Brabant même c'est sa petite sœur là qu'on appelle gouverneur de Kankan. Parce que, allez à allé madame la gouverneur de Kankan. abadi elle n'est pas fonctionnaire. Elle n'a pas été à l'école. C'est une, une ancienne vendeuse de poissons aujourd'hui qui est gardée, qui commissionne son mari, qui gère toute la famille de son mari. Aujourd'hui, qui se fait la part. Dans toutes les compagnies en Haute-Guinée. qui et, et puis, si tu discutes, elle appelle sa maman. Parce qu'on me dit que c'est elle qui gère sa maman. C'est un exemple pour ça, Mou Mais là, nous parlons de 2 milliards. Merci, le grand frère Salut, merci beaucoup. Nous parlons de 2 milliards. Il y a tant d'exemples. Tu as vu la fille là qui a perdu sa vie. Moi, je ne vais pas m'appuyer sur sa vie. Je condamne plutôt la famille de la fille qui a fait enfant pour Doumbouya. Quand vous regardez l'âge de la fille là, et dit, Doumbouya, il y a plus de 18 ans entre les deux. Plus de 18 ans entre les deux. Donc moi je ne viendrai pas pleurer. Excusez-moi, hein. vous allez dire que je n'ai pas de cœur. Parce qu'il y a une grossesse, à ma connaissance, on la prend et puis on conduit la grossesse pendant neuf mois. Personne n'a entendu parler de la famille du premier mois de la grossesse jusqu'au neuvième mois, jusqu'à l'accouchement. Donc, taisez-vous. Vous avez bénéficié de beaucoup de cadeaux par rapport à ça. Quelqu'un qui sort de nulle part, il profite, il abuse de votre fille et que parce qu'il a des armes. Ça là, je mets ça de côté. Donc, M. Mourana, avant que je ne lis ça, je voudrais vous donner notre exemple aussi, M. Mourana Souma. Il s'est déplacé pour aller saluer Ba. Mais Ba, c'est qui Ba, c'est qui Parce que quelqu'un a pris ça pour me taguer. Ba, c'est qui Aïcha c'est une ancienne ministre de l'enseignement Mais personne ne sait pourquoi l'ancien raconte l'a renvoyée de son département de l'enseignement pré-universitaire. Personne ne sait. Ou oh bien vous voulez qu'on sorte les dossiers Ceux qui ont la bonne mémoire, je le rappelle, le programme d'ajustement structurel de l'éducation, qu'on appelle PAS1, si vous avez la bonne mémoire, le programme d'ajustement structurel de l'éducation, PAS1, PAS2. Il n'y a eu que pas 1 qui a été exécuté. Aïe Chabat, monsieur, monsieur, vous qui prenez Aïe Chabat, je vous dis, quand vous partez à la conserverie de Mamou, vous partez à la conserverie de Mamou. il y a une villa qui est construite, il y a une villa qui est construite juste à la sortie. Elle a construit des villas partout, dans tout, presque toutes les préfectures, avec le projet Paz 1. Paz 2 n'a pas eu jour. C'est Paz 2 qui était devenu un problème entre Aïchaba, Ibrahim Souysault, l'ancien préfet de Mamou, ministre de la qui était Ibrahim la famille Sou de Mamou. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Mais je voulais rafraîchir la mémoire de certains, parce que d'autres vont se situer dans ce que je suis en train de dire. Vous comprenez je suis témoin des actions du programme d'ajustement structurel de l'éducation. Pas un. Donc oh, tu es parti salé à Un Esheba n'est pas leader Peul. Il, il est parti salé à Eshaba. En même temps, il a abattu, il a abattu eh, eh, quoi, Bilo. T'as dit, tu vas salé à Eshaba, tu tues un Peul. Ça, ça veut dire quoi Hein c'est-à-dire tue Bilo et puis il s'en va. C'est un chabat. est oh, le problème. Ça sert à quoi Et puis regarde le véhicule avec lequel il est parti un chabat, cher Guinée. Regardez. Tu vas, si tu es libre, tu sais que tu es sincère. Pourquoi tu vas avec un blindé C'est un Ce n'est pas un camp militaire. Et puis jusqu'à faire rentrer le blindé dans la cour d'un de chabat. Demandez à tout le monde. Je ne nie pas l'intelligence. Euh, euh, bon, il veut me distraire. ça, je te laisse vérifier, du Dumoura. Doukoure. C'est-à-dire l'impultesse d'un enfant mal né comme toi là, je ne vais pas répondre. Tu comprends? Donc, le programme d'agissement structurel là. Les gens ont mangé. C'était beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Parce que c'est dans ça là. C'est-à-dire que c'est le seul programme que l'ancien Raconte a bénéficié. Que l'ancien Raconte a bénéficié. Et qui devait changer l'éducation guinéenne. Mais tout a été détourné par la dame là qu'on appelle Aïchaba. Elle s'est enrichie. Elle, elle a fait sa vie dedans. Qu'on appelle le pas Pazin. Vous comprenez Donc, vous avez tous vu. Mon cher, qui m'a tagué en présentant, c'est Aïcha qui l'aime là. Il, il est une première. n'est pas un exemple dans ce pays. Je le dis clairement en matière de gestion, en matière de représentativité. Vous comprenez Je ne dis pas qu'elle n'a pas étudié, oui, mais elle n'est pas charge du côté finance parce qu'elle a beaucoup volé dans ce pays. Et quand le programme passe arrivé, le programme n'a pas eu lieu même. Ils ont tout bouffé. Ils ont tout bouffé, les hachabalas. Donc, si tu prends un blindé, hein, un blindé, le blindé pour aller dans la cour, et puis, regardez, il rentre galèrement dans un blindé. Ce n'est pas une voiture. Aurait été, aurait été une autre personne, un président élu par le peuple. Il n'a pas besoin d'un blindé pour aller saluer l'ancien ministre. Il n'a pas besoin. Ou tromper qui c'est l'image-là que des individus ont pris pour mettre la toile. Il aime les peuls. Il aime les peuls. Aïchaba n'est pas leader peul. Aïchaba n'est pas leader peul. Elle n'a jamais été leader peul. Jamais. Elle n'a jamais été leader peul. Ou bien, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez acheter là? Parce que ça, parce qu'aujourd'hui, vous tuez cette communauté. Vous, euh, la barbarie de cette communauté. Donc, il faut trouver. Un exemple d'amour. Et donc, ça, c'est un chapat. Donc, foutez-nous la paix. Vous comprenez? Donc, monsieur Mourana, je te donne cet autre exemple. Tu comprends? Je te donne un autre exemple. Parce que, apparemment, dans ce pays, vous prenez tout le monde comme des moutons. Quand quelque chose ne marche pas, hein? Quand quelque chose ne marche pas, qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez une porte de sortie. Nous nous parlons de la Guinée, nous parlons de ce pays, c'est-à-dire de la récupération de pays dans les mains de ce type. Donc ce il ne s'agit pas d'aller saluer un Shabbat. Je le dis, je mets quiconque à défi qui me dit qu'Aishaba était un exemple dans ce pays. Moi, je te dis faux. Je dis bien qu'elle a, qu elle, a elle a un bagage intellectuel. Je ne le nie pas, Elle hein. a formé des gens, je ne nie pas. Mais elle est très, 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 très dangereuse. Très dangereuse. Plus que le mot dangereux, même. Donc, farce farchement qu'elle ait Aishaba Braoudi, pensant que vous allez acheter les peuples. C'est très facile d'acheter les peuples, là. C'est très facile. Si vous voulez acheter les peuples, là. Tous les peuples, là, monsieur Doubia, ils veulent les élections transparentes. Voilà comment on peut acheter un peu là dans ce pays là. Il faut aller aux élections, c'est tout. Il faut aller aux élections. Il faut aller aux élections. Je, ça dit, non, il a m'a dit, ni Afekafoula même Bessan, tu veux acheter les peuples. Là. Eux là, ils veulent seulement les élections, c'est tout. C'est tout, hein. Mais tu ne peux pas tuer les enfants des gens. Faire disparaître les corps. Et puis tu te joues aux pompiers. Non, ça ne peut pas marcher, petit. Hey, Halibiya, ma souris C'est les bailli Haribo et autres là qui t'ont trompé. Parce que n'y a faute. Tu as vu se chercher les partis. Tu comprends, non? Dans ce pays-là, dans ce pays-là, tous ceux-là ont fait les carrières politiques. Je peux te citer le nom de tous les anciens qui, qui, nous, qui ont commencé par nous tromper, nous d'abord. Ils nous ont trompés. Ils ont commencé par nous. Ils nous ont mis dans l'eau. Ils ont trompé le professeur Fakonde. Ils l'ont trompé. Ils l'ont marabouté. Ils ont tout fait. Ils l'ont trompé. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Merci Bachir. Merci Frère. Vous comprenez tu veux acheter les peuples là, il faut aller aux élections. Il y a une qui m'a. Pourquoi j'ai grossi Moi, je n'ai pas grossi. Hein. Donc, Rama, comment vas-tu Vous comprenez Donc, comment ça se passe Laissons tomber ça. Je te dis, tu veux acheter les peuples là Il faut aller aux élections. C'est tout ce qui te demande. Donc, M. Mourana, voilà, M. Mourana, Mourana Souma. Parce que tu as été nommé ministre pour avoir Kaloum. Tu as vu, voilà, Kaloum aujourd'hui ne veut pas de Doumbouya. Et on met la faute sur nous. Kaloum là ne veut pas de Doumbouya. Je ne parle pas de souci, je parle de la commune de Kaloum. Il ne veut pas de Doumbouya. Malgré que vous donnez l'argent à ces artistes là, ça, ça ne passe pas. Vous avez vu que ça ne passe pas. Vous avez tout fait, tout dit, ça ne passe pas. Oui, les artistes là vont avoir l'argent avec YouTube. Parce qu'ils vont chanter, ils vont mettre sur YouTube. Mais c'est tout. C'est tout. Regardez le grand monsieur qu'on appelle Selou Dalendialo. Regardez-le, ce qu'il a fait ici. Est-ce que Selou a payé les gens pour venir l'écouter Non. Il y avait une commission d'organisation qui a organisé et tout le monde était présent. Tout le monde était présent. Si ce n'est pas parce que j'étais fatigué comme ça, j'allais être arrivé aujourd'hui de directement continuer à, à, à Washington DC, parce qu'Adja m'avait dit qu'il est parti à, à Washington DC. Quand, eh, moi, je quittais, je quittais Canada, je rentrais, Adja m'a appelé. Donc, mon cher, il faut te calmer. Donc, excusez-moi, eh, je vais te donner un autre exemple encore. Le ministre de l'enseignement supérieur. Le ministre de l'enseignement supérieur, ça c'est demain. Allez-y voir sa villa. Hein. Le ministre de l'enseignement supérieur s'est fait une très belle villa. Vraiment c'est normal. moi je vous félicite, vous les ministres là. C'est le peuple là qui souffre. Un ministre, dans les conditions actuelles la Guinée, ne peut pas s'offrir une villa comme ça. Une très belle villa. Vous savez qu'il avait volé de l'argent lorsqu'il a été enlevé. Lorsqu'on lorsqu a signalé ça. On l'a nommé comme ministre de l'enseignement supérieur. Pour nous dire que non, même si vous les critiquez, nous, on continue à les nommer. Regardez aujourd'hui, avec l'enseignement supérieur, c'est tapé une belle villa. Demain, je vous donne les photos. Vous aurez les photos demain. Même toi, Mourana. Toi, Mourana. Aujourd'hui, je peux sortir plus de cinq villas à Taouya. Toi aussi, hein. De l'enseignement de des ministères des Finances. Parce qu'aujourd'hui, a vers la mer, en remontant un peu l'ancien coin des prostituées là, le couloir là. Il y a plus de 5 places là-bas où tu as tout acheté. C'est quoi? Je vous félicite. Ce n'est Moi, je vous félicite. C'est l'argent de ce pays. Achetez, faites des. Parce que vous avez une garantie. Nadie, comment vas-tu? Vous avez une garantie. On nous a dit que Dumbuya ne va pas le pouvoir. Aujourd'hui, il y a plus de 150. Hein Aujourd'hui, il y a plus de 150, hein Badi tu peux envoyer l'invitation, mon frère. Plus de 150 soldats français. Des, on les appelle les instructeurs militaires. C'est faux. Aujourd'hui, vous avez vu les soldats français qu'on appelle les quand ils sont venus donner des, des cours à l'armée guinéenne. Autant de tourés. Excusez-moi, je vais aller qu enlever qu'est-ce là, excusez-moi. Voilà. Qui qui allait qui pouvait voir des militaires français? Je compte du côté, euh, du côté de la gendarmerie, oui c'est vrai. Nous avons un contrat avec la gendarmerie. Ma chérie, comment vas-tu euh, la politique autonome? et les vacances? Toi, ah, tu es parti en vacances, l'été, ton chéri, il n'y a pas de problème. Mignon, mignon, mignon. Mignon, t'es au mariage d'or. Bon, c'est ma façon de te dire bonjour, ma chérie. Ça, vous comprenez. Autant de l'ancien la, racontier, oui, il y avait un contrat pour former les gendarmes. Mais un contrat pour former les militaires, non. S'il vous plaît. Mais vous avez toutes ces garanties aujourd'hui. Mourana Souma. Mourana Souma, aujourd'hui, tu as presque... Je dis, je mets quiconque à défis. Trois quarts de Taouya aujourd'hui, tous les coins, les recoins de Taouya abandonnés. Tu as tout acheté. Tu as tout acheté. Non, maïra, villa et ma scène Et puis, ce qui me plaît chez toi, ce qui me plaît chez toi, c'est qu'il n'y a pas de, de barrière entre Boumbouya et toi, selon les informations que nous avons reçues. Voilà pourquoi. C'est-à-dire, tu fais, tu rends compte à Doumbouya. Merci, ma tata Fatma Merci. Tu rends compte. Tu rends compte à Doumbouya. Il faut même arrêter d'accuser Baouri. Parce que ce n'est pas Baouri. Les deux milliards-là, tu as tenté et ça, 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 ça a raté. Et puis, tu cherches maintenant un point de chute. Sinon, tu viens d'être chef du gouvernement, euh, ministre des Finances. Mais tu ne peux pas acheter trois parcelles dans Taouya. Aujourd'hui, une parcelle coûte combien à Tawiya Une parcelle. Qu'est-ce que tu faisais avant Parce qu'au temps d'Alpha Condé, nous avons passé le temps à te former. Bien sûr, tu as eu de l'argent au temps d'Alpha Condé. Mais pas jusqu'à aller avoir plus de 5-6 villas. Non, s'il te plaît. Nous, nous comprenons pourquoi vous osez aujourd'hui négocier des contrats miniers sans réserve. Il y a le, il y a le boss. Le bon, c'est c'est lui le gestionnaire. a c'est Doumbia qui vous gère. Vous tentez de trouver de l'argent pour lui parce que lui, il veut de l'argent. Ce n'est pas gérer au fait le pays. Il lui cherche de l'argent. C'est comme Amara. Amara là, Amara. Amara, mon petit frère là, le petit là. Lui, c'est l'argent il connaît. C'est-à-dire qu'il y a trois personnes qui ne se soucient jamais de la gestion du pays. Il y a Amara, il y a Diba. Il y a lui, Doumbouya. Il y a son frère, Ahmad Doumbouya. Les quatre là, personne ne se soucie. Les inondations là, est-ce que vous avez déclaré les morts, non Et pourtant, il y a plus de trois morts. Mais la RTG, personne n'a déclaré des morts. Ils ont dit qu'il y a eu 170, 180, j'ai vu ça sur France 24, et 100, 170 familles bas, impactées. Et pourtant, il y a eu des pertes en vie humaine. Mais est-ce que vous l'avez signalé, non Au défaut Mais regarde, je, voilà ce que l'Espère là me dit. Je lis ça rapidement si tu veux, si tu permets. Hein. Mourana Souma, je peux lire ça rapidement, hein, si tu veux. Je peux lire ça rapidement pour toi. Voilà ici. Voilà, voilà, je lis ça rapidement, ça c'est pour toi. Mourana a fini d'acheter tout Oya. Je vais vous appeler après pour des prix, son frère. J'ai des photos que je vous envoie. Voilà les photos ici. Voilà, voilà ce qu'on me dit ici. Voilà. Ce pas trois. Voilà, c'est pas trois parcelles. C'est plus de eh, R5. Voilà. Tu as 4 R5. Bon, trois parcelles. <laughs> non. Franchement, c'est grave. Je laisse ça. Mais je vais, je vais revenir sur la partie attendez. Rapidement, nous allons arrêter la vidéo là-bas. Parce que voilà ce que l'expert me dit. Et voici ici. Si. Parce que voilà, on dit l'association Jelly Tomba du continent américain en collaboration avec le mouvement de coalition. Vous, vous connaissez le patron du mouvement de coalition. Voilà. On dit uh, un, un grand... Le 19 octobre 2020, dans la salle de spectacle. Uh, de yeah. Ça, c'est à, à New York. On verra ça. On se prépare. Ça, c'est... On vient de m'envoyer l'information. Il n'y a pas de souci. On dit uh, on, un grand événement le 19 octobre 2020 uh, dans la salle de spectacle uh, 12-11, Brook Avenue, Bronx, New, uh, New York. Uh, this, oh, ça, ça marche. Nous, nous sommes aux États-Unis, c'est là. On n'a pas peur de ça. Aide au Canada suite. Donc, on laisse tomber ça. Voilà. Je prends ça rapidement. Voilà. Et Je reviens sur ça rapidement, je laisse l'autre là. Ben, si C'est ce qu'il me dit, excusez-moi rapidement. Où oui, j'ai mis ça? Excusez-moi. Oh. J'ai mélangé. Hmm. Ah, J'avais le, doc le document ici. Excusez-moi. Voilà. Voici voilà. Voilà ce qu'il me dit. Bonsoir, M. Benito. Je voudrais faire cette analyse par rapport à l'affaire de 2 milliards de dollars de Suzy. Le ministre des Finances s'expliquait au CNT. Voilà. Et il dit qu'il n'a pas, qu pas agi seul. Et voilà ce qu'il dit. Voilà ce que le monsieur me dit. Et bon, il m'envoie sous forme de test. On dit réagissant à la suite des interpellations des conseillers. Mourana a fait savoir qu'il n'a pas agi seul, qu'il a tenu une réunion avec son secrétaire général, le conseiller juridique, le directeur de la dette. Et que ça n'a pas été fait en Katimini. Mais c'est suite à un courrier officiel qui lui a été adressé par Baouri en tant que ministre des Finances, j'ai vu l'opportunité de financement pour la réalisation des projets de construction. Donc Baouri est derrière cette magouille. C'est ce, ce que lui dit, ce qu'il dit. C'est pas toutes les occasions financières qu'un ministre saisit au nom de l'État. Voilà ce que le frère dit. Sinon, tous les narcos achèteront la Guinée. Dans sa déclaration, Mourana Souma a donné l'exemple de l'accord de 20 milliards conclu par le régime précédent avec la Chine. Mais ça, ça s'est passé officiellement. Oui. Je donne juste un exemple. La Guinée a signé un contrat de 20 milliards. L'accord Sino-Guinéen. C'est un accord de discussion, mais pas l'argent qui est décaissable. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit Il dit le mémorandum d'abord, comprenons que juridiquement, il n'est pas contraignant. C'est une intention de négociation. Il n'a aucune valeur juridique engageante. Deuxièmement, on a pu soin de mettre dans les dispositions l'article 9, qui stipule que les partis se réservent de toute communication jusqu'à ce que tout soit Viabiliser pour aller vers un mode opératoire dans le cadre d'un accord commercial. Faux! Ce que le frère dit, c'est faux. Monsieur c'est c'est mes limites ici. Je suis de retour, mais c'est Mouran Parce que je peux. Je, nous pouvons. C'est grave! Mais portez-vous bien, on se reprend le soir. Parce qu'aujourd'hui, c'est Baouri qui est responsable. Mais c'est bien fait pour Baouri. Parce que c'est Baori qui t'a envoyé le courrier. Baori t'envoie le courrier. Et puis, tu, tu trouves une opportunité d'engager le pays. Dans deux milliards de dettes. Parce qu'on vous a parlé d'intérêt, qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais j'en suis sûr, persuadé que vous vous allez mettre l'intérêt dessus. Vous allez dire aux Guinéens que oui, nous avons obtenu ça. Et voilà l'intérêt. Wallah Bilatara. Ça laisse faire. Donc, bénit des retours, Portez-vous très bien. On se reprend après, Inch'Allah. Donc, on est ensemble. Nous allons revenir le dans la Nous allons revenir sur le projet de l'administration du territoire le soir, Inch'Allah. Mais M. Baouri, son Renaki, M. Baouri. Son Reyna qui c'est tout ce qu'elles dans là, vont voler. Ils vont mettre ça sur vous, M. Baoli. Ils vont tout mettre sur vous. Tout. Prépare-toi, Paola, merci. Ils vont tout mettre sur vous. Parce que tu devais sortir de courrier. Si c'est faux, il faut sortir de courrier. Il faut dire que oui, voici le courrier. Sinon, dites-nous qu'il n'y a pas eu de courrier. Parce que lui, il parle de courrier. Il a dit au CNT, quelqu'un a demandé dans la salle de vous montrer le courrier du chef du gouvernement. On dit laissez tomber ça dans ça. On dit laissez tomber ça. Parce qu'il y a un conseil qui a demandé le courrier. Pourquoi le conseil a demandé le courrier C'est parce que c'est faux. C'est parce que c'est faux. Il n'y a pas eu de courrier. Vous cherchez une couverture. Et vous, on ne sait même pas si cela n'a pas été négocié. On ne sait pas. Parce que moi, je me demande pourquoi vous dites au parti de se taire d'abord, de ne pas faire une déclaration jusqu'à qu'on voit une viabilité. Donc. C'est que les Chinois nous ont sauvés. Les Chinois ont sauvé ce pays. Vous êtes capable de vous taire jusqu'à ce que vous remettez l'argent là. C'est un jour comme ça, la pam Regardez la, 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 la eh, prétenue eh, militaire. 100 millions de dollars. Le bâtiment, selon les informations, l'école, le bâtiment n'a pas coûté 10 millions de dollars. L'école, bah, le bâtiment, bah, tout. L'ensemble n'a pas coûté 10 millions de dollars. Et dans les dossiers. Nous avons vu combien 100 millions de dollars. Vous êtes en train de répartager l'argent. C'est-à-dire, ce qui me plaît chez vous, hein. ce qui me plaît chez vous, cest à personne parmi vous ne se gêne. Personne ne se gêne. Et puis vous faites ça seul. Et puis vous osez. C'est-à-dire, vous décaissez. Vous dites, voilà les dépenses des petits militaire. militaires Voilà les dépenses, tout, tout, tout. C'est 100 millions, et en réalité les vraies dépenses du bâtiment et de l'école militaire, c'était 10 millions de dollars. Mais vous que ces 100 millions, vous mettez les 10 millions d'actifs, euh, les 10 millions dans la, dans, de, dans la construction, dans les activités de pétanque militaire, et puis vous partagez les 90 millions. Et les 90 millions, vous présentez la part de Doumbouya, c'est 50%, le reste à vous partager devant tout le monde. Et puis personne ne dit quelque chose. On dirait que vous avez marabouté toute la Guinée. Les gens comme ça, pour vous, personne ne parle. À le les gens sont là-bas au département de défense qui savent très bien que, 100 millions, que ce sont les 100 millions qui ont été décaissés. Allah Akbar. Ah, c'est non, non, comment vas-tu Allah Akbar, mille fois.